les épaules, ils s'échauffent. Aujourd'hui, pareil, un cours de renfort. Un petit peu de cardio, l'histoire d'eux, parce qu'il va falloir bouger. Allez, on échauffe les épaules. Dans l'autre sens. Les jambes légèrement des genoux. Talons fesses. Bon, pour prendre le temps, on peut faire aussi quelques étirements, mais c'est pas non plus obligatoire. Allez. 60 secondes de travail, 15 secondes de repos. Allez, parti. Je commence par le tirage d'eau. J'ai toujours 17 kg de chaque côté. Je me penche et je remets la barre au niveau du nombril. Les jambes sont fléchies, le ventre rentré, le dos est droit. Et on tire la barre jusqu'au nombril. Dans les sacs, vous mettez le poids que vous voulez. Donc j'ai toujours mes 4 demi de chaque côté. On rentre bien devant, le dos bien droit. On protège toujours bien son dos. Allez, 15 secondes. On part. Allez. Toujours le ventre en arrière, on trouve toujours la pression au niveau du dos. On bascule pas vers l'avant, on bascule vers l'arrière. Vous pouvez monter plus haut, vous pouvez rester plus bas. À vous de voir. Accélérer à 10 secondes. On récupère le sabre, et on va passer derrière. Mouvement classique de squat, on ouvre à l'extérieur, le dos bien droit, le ventre bien rentré, on descend et on remonte. Les genoux sont ouverts vers l'extérieur, le dos est droit. Avant le prochain cardio, on enchaînera directement avec les épaules. Si vous pouvez supporter le poids que vous avez mis pour les fesses. Sinon, vous faites pause, vous posez, vous enlevez les poids. Et on reprend la barre sur le dos. Allez, on va rester tout petit. Le ventre est rentré. Les fesses vers l'arrière, genoux au-dessus des chevilles, très important. On tire encore, encore. Statique. Rentrez dans ce ventre. Allez, on glisse. Et des grands, on pousse, on remonte. Quand vous remontez, les genoux sont toujours légèrement fléchis. Jamais, comme bien entendu, protégez toujours l'articulation de votre genou. C'est la corps amène. Donc vous pouvez poser en fléchissant les jambes. Ou bien on reste et on va passer aux épaules. N'hésitez pas à faire des pauses. Si vous manquez de souplesse d'épaule, la barre devant le visage et par l'arrière. Allez. J'équilibre et on repartit. Là pareil, le ventre est rentré, on fait attention à sa posture au niveau du dos, le bassin n'est pas dans l'avant et il n'est pas dans l'arrière.
Allez, il reste un peu moins de 17 secondes. On pousse devant, on fait chier et on les bons. Super. Manche. Attention. 4 sauts droite et gauche. 1, 2, 3, 4 chaque. 1, 2. Attention, ne pas glisser. Si vous avez peur du balai, prenez la corde à sauter. Je vous montre un biceps, on fait ça. On va chercher derrière. On va chercher derrière et on remet. Les jambes fléchies. Le ventre rentré. On pousse et on remet. Attention quand vous poussez, le bassin ne part pas vers l'avant. Petit jumping jack. Je vais reprendre mon pantalon. Je vais bien rentrer. Les genoux extérieurs, on ramène. Extérieur, on ramène. Ceux qui veulent monter plus le cardio, les bras. Attention, on ne peut vraiment pas sauter comme ça. C'est très dangereux au niveau des genoux. N'oubliez pas vos genoux, périnée du ventre, vous l'engagez, on ne change rien. Tu as plat, et on est parti. Suivant la fille sur le fauteuil, on l'a déjà fait au sol, on le reprend. Le dernier.
Gainage. Allez. Les mains sur les épaules. Les pieds largement larges pour mieux tenir l'équilibre. On maintient. Inspirez, expirez, rentrez dans le bien le ventre. Si les signes s'aggravent et vous avez des difficultés importantes à respirer. Allez, 40 secondes, on ne monte pas les fesses. On ramène le genou, on tend. On ramène, on tend. Essayez de monter les fesses le moins longtemps possible. On ne fait pas ça pour ramener, on reste en bas. De profil, le pied à la hauteur de la hanche, le ventre rentré et tout petit, vous ramenez les deux jambes l'une vers l'autre. On essaie de ne pas perdre d'équilibre, le périnée, le bas du ventre et le nombril bien engagé. Inspirez, expirez, prenez votre temps, ce ventre est bien rentré. Tout petit. On essaie de monter toujours plus haut, de bien contracter les fessiers, le périnée, le bas du ventre, le nombril. Allez, on pèse sur le ventre. On passe. Des coudes aux mains, des coudes aux mains. C'est pas possible, on va s'asseoir sur les mains, soit sur les coudes. On place les genoux au sol, on plante les orteils et on part. Droite, gauche. Et gauche, droite. Restez statique. Le regard devant, les épaules alignées avec les hanches. On monte et on reste statique. On pousse. Engagez vos abdos, inspirez et on souffle, on revient. On change d'adducteur. Poids du corps vers l'avant, ventre rentré, on décolle et on rapproche les deux. Allez, essayez de basculer ni vers l'avant ni vers l'arrière. Le ventre est toujours bien rentré. On résiste. Allez, contractez bien vos adducteurs. Montez les jambes le plus haut possible. Rapprochez les deux. Thank you.
les abdos. On enchaîne l'exercice. Plus assis qui incline. Les jambes en direction du plafond. Les mains se placent en haut. La partie la plus en milieu sur le col, décoller la tête et les épaules. Et on va chercher les chevilles. Vous soufflez à chaque fois que vous allez chercher les chevilles. Le ventre bien sûr, il est toujours bien rentré. Surtout, on ne relâche pas les abdos. Quand on va chercher la cheville droite, la jambe gauche descend. Et inversement. On contrôle, on a les abdos qui sont toujours engagés. La pose de la restatique. On se concentre sur les abdos. On inspire, la cage thoracique s'ouvre. On expire, la cage thoracique se referme. Allez, on va chercher les genoux. On va chercher la pose de la paume de main sur les genoux. Vous posez les mains légèrement à l'arrière de la tête. Si vous voulez décharger les cervicales, vous posez le coude. Posez le coude au sol, ça décharge complètement les cervicales. Vous pouvez prendre plus de temps. Les pieds se placent à la hauteur du genou, toujours les mains derrière le sommet du crâne, pas le sommet du crâne, pardon, la partie la plus avant de la tête, le regard sur le nombril ou sur les genoux, jamais au-dessus de la tête. On tend les jambes et on inspire, on fléchit. Le ventre doit être rentré et on ne plaque pas davantage les lombaires au sol. On reste les bras. Les deux, sans plaquer les lombaires, sans relâcher la tête à l'arrière. On reste statique. Soufflez, décollez plus aux épaules. Statique, 4. Et on souffle. Et on relâche. Gardez les genoux à la poitrine. Les mains à l'intérieur des genoux, on ouvre les genoux vers l'extérieur. Et on étire les arrières des cuisses. On fléchit les bras en croix, déposez un genou après l'autre sur la gauche ou sur la droite. Revenez, alors restez, pardon, attrapez le pied du dessus, tirez le talon contre la fesse. On relâche, on revient, on replace la tête, les épaules et les hanches, et on change. Ramenez les épaules et les pieds. On relâche, on laisse la
pattes, les mains sur les épaules, on pousse les fesses à l'arrière. On ramène les mains près des pieds, les pieds près des mains. On souffle, on fléchit, on inspire, on étire. J'en fléchis les mains sur les cuisses. On remonte, on tire. Grandissez, vous poussez, fléchissez. On change. Revenez. Ce programme vous est proposé en audio-description. Inspirez. Grandissez. Et relâchez tout. Je vous remercie, je vous dis rendez-vous à demain, prenez soin de vous, à bientôt.